commencer un nouveau grand chapitre, le salut. Nous avons vu comment Jésus a accompli le salut pour l'homme. Maintenant, nous allons voir dans un deuxième temps comment ce salut est appliqué par Dieu à l'homme et reçu par l'homme afin qu'il puisse devenir pour lui une expérience. En fait, il faut distinguer six points dans cette manifestation du salut, cette implication du salut à l'homme. Premièrement, la justification. Deuxièmement, la régénération. Troisièmement, la sanctification, auquel on peut ajouter la foi, la repentance et l'obéissance. Avant de prendre ces six points dans l'ordre, nous allons voir d'abord ce qu'est la nature du salut. Qu'est-ce qui constitue le salut pour l'homme? Tout d'abord, l'affirmation centrale de la Bible, telle qu'on la trouve dans l'Épître aux Romains, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, il n'y en a pas même un seul. Et de ce fait, on ne peut pas dire que Dieu soit le Père de tous les hommes. Il est certes le Dieu de tous les hommes, mais il n'est pas le Père de tous les hommes. La Bible nous dit que l'homme naturel, ce que Paul appelle l'homme psychique, que l'on traduit parfois de cette expression abominable, l'homme animal, n'est-ce pas ? L'homme psychique, disons, l'homme naturel, tout simplement, ne connaît pas, ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui, car c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire que la nature morale de l'homme est corrompue dans tout son être. Tout l'être de l'homme est sous la domination de l'ennemi, y compris son intelligence. Son intelligence est obscurcie par le péché. Et c'est pourquoi les choses de Dieu ne peuvent pas être perçues par la philosophie. Ça veut dire la réflexion de l'homme naturel ne lui permet pas d'atteindre le salut. Le salut ne peut pas non plus être atteint par la théologie, c'est-à-dire par la combinaison de la philosophie avec la métaphysique, n'est-ce pas ? Mais il faut une transformation, il faut une action surnaturelle de Dieu pour que Dieu se révèle à l'homme. Tout homme, donc, est sous la domination de l'ennemi. La Bible emploie une autre expression pour désigner cette situation, c'est des enfants de colère. Ça veut dire des gens, dans le langage hébraïque, nés, n'est-ce pas, fils de la colère. Ça veut dire des gens qui sont destinés à la colère, des gens qui sont sous la domination de la colère de Dieu. Or, précisément, cette colère de Dieu subsiste sur l'homme aussi longtemps que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, ne lui a pas été imputée. Précisément, le fait d'être destiné à la colère conduit à un état qui, si le salut de Dieu n'intervient pas, deviendra un état définitif, cet état que la Bible appelle la perdition. Qu'est-ce que la perdition? La perdition, c'est l'état de l'homme qui, après la mort, se trouve dans le Shéol. Shéol est un mot hébreu que l'on traduit en général par séjour des morts, que les Grecs ont traduit par Hadès et que les Latins ont traduit par infernum, c'est-à-dire enfer. Bon. L'enfer, dans ce sens-là, n'est pas du tout ce que la théologie du Moyen-Âge en a fait, ça veut dire le lieu des réprouvés. Le Shéol, au départ, c'est le séjour des morts, de tous les morts, indistinctement, bon ou mauvais, juste ou injuste. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que le mot Shéol devient synonyme de ce que l'Apocalypse appelle la deuxième mort. Ça veut dire justement la séparation d'existence avec Dieu, la deuxième mort.
qu'est-ce que c'est que la deuxième mort? Il y a à ce sujet bien des idées fausses. Notamment, un certain nombre de sectes, tels les témoins de Jéhovah, ont fait de la deuxième mort l'anéantissement, l'annihilation, puisque mort signifie justement destruction. On trouve d'ailleurs plusieurs fois aussi le mot destruction dans le sens de perdition, n'est-ce pas ? Seulement, il est clair quand on lit les textes de la Bible que ce mot ne signifie pas non-existence, anéantissement, mais une vie, une existence mauvaise, misérable, dégradée. Bon, c'est aussi dans ce sens qu'il nous faut prendre le mot destruction, ruine. Une ruine n'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est un bâtiment qui est dans un état, si vous voulez, dans une existence rabougrie, inutile, qui n'est plus accessible à sa destination première, en quelque sorte. Et c'est l'idée également du mot perdition, c'est une vie ruinée qui ne peut plus servir à ce à quoi elle a été destinée. Pratiquement et concrètement, la deuxième mort, la perdition, c'est le lieu de tourment. Un tourment conscient et sans fin. Ça, il faut le dire. Alors, je sais que ça pose un énorme problème, on aura l'occasion d'y revenir, quand nous ferons de l'eschatologie. Comment un Dieu bon, comment un Dieu d'amour peut-il condamner des créatures, n'est-ce pas, à un tel châtiment éternel? Bon, c'est pas le lieu ici d'entrer dans cette discussion-là. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais des textes comme Matthieu 25, comme Apocalypse 14, verset 11, nous montre sans aucun doute possible qu'il y a là la menace d'un tournant sans fin et sans repos pour l'éternité qui est toujours conscient. C'est pourquoi précisément l'état de l'homme perdu est un état terrible. Et ceci doit être pour nous un motif puissant à témoigner de l'Évangile, de la grâce de Dieu, pour que les hommes et les femmes puissent échapper à ce sort terrible qu'est celui du pécheur perdu. Deuxième chose, la Bible nous montre d'une manière très claire que le sort d'un homme est déterminé définitivement à l'heure de la mort. Il est fixé pour les hommes de mourir une seule fois, nous dit l'Épître aux Hébreux, après quoi vient le jugement. Ce qui veut dire que l'homme qui ne s'est pas repenti avant la mort n'a plus aucun espoir d'être sauvé après la mort. La doctrine du purgatoire n'a aucun fondement biblique. Nous n'en trouvons aucune trace nulle part. Je crois que ce n'est même pas la peine de prendre les textes, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. N'est-ce pas ? Et on sait que la doctrine du purgatoire est une doctrine qui date du Moyen-Âge, tout simplement. Donc, le sort de l'homme ne peut pas être changé après la mort, ni par les prières, ni par des aumônes, ni par des messes, ni par quoi que ce soit. Et c'est pourquoi Jésus met en garde ses auditeurs contre ce qui est pour lui le sort le plus terrible qu'un homme puisse connaître, à savoir mourir dans ses péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Mourir dans ses péchés est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme, car après quoi vient le jugement. Mais ce jugement du pécheur perdu n'est pas encore le dernier mot, si j'ose dire. Il est dans une situation dramatique, mais qui est encore une situation d'attente. La Bible nous dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et le livre de l'Apocalypse nous montre qu'il y a une première résurrection, comme Paul le dit d'ailleurs, dans l'Épître aux Philippiens, une hors-résurrection, une résurrection d'entre les morts, pour les morts bienheureux, puis une résurrection des morts, de tous les morts,
pour le jugement définitif. Et c'est alors qu'il y a ce jugement définitif, où nous voyons tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, nous dit l'Apocalypse, qui sont jetés dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Par conséquent, ici, les affirmations de l'Écriture s'inscrivent en faux contre deux erreurs dans ce domaine. La première, celle que nous avons vue, l'anéantissement, l'annihilation des âmes, des pécheurs. Et deuxièmement, une doctrine dont Origène, père de l'Église, n'est-ce pas, a été le premier, en quelque sorte, promoteur, qui est la doctrine du rétablissement universel. Selon Origène, en effet, Dieu, au bout d'un temps, long, très long, après que tous les pécheurs aient souffert dans cet enfer, Dieu leur ferait grâce et Dieu les rétablirait parce que son amour ne pouvait pas supporter que des hommes soient, des créatures, soient voués aux tourments éternels. Et Origène allait même jusqu'à ce qu'on se voit que Satan lui-même, au bout d'un temps, serait rétabli. C'est très séduisant, cette doctrine-là. C'est très séduisant parce qu'effectivement, la conception de l'homme a du mal à envisager les tourments éternels. Et c'est pourquoi nombreux sont ceux qui ont professé cette doctrine et la professent encore, jusque parfois dans des milieux évangéliques, n'est-ce pas ? Mais nous n'avons là aucune base biblique. La seule base de cette doctrine, c'est une vision sentimentale des choses. Or, nous avons vu que la pensée de l'homme est obscurcie par le péché. Et nous n'avons pas une vision de ce qu'est la gravité du péché. Or, même si nous sommes choqués, nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que dit la Bible. Pour des raisons mystérieuses qui nous échappent, Dieu, dans sa justice, condamne des hommes, pécheurs endurcis, impénitents, à la ruine éternelle, à la perdition éternelle. Ça peut nous sembler choquant que pour quelques dizaines d'années vécues sur cette terre dans le péché, il y ait une éternité de tourment. Nous n'avons pas à discuter avec Dieu. Qui es-tu, toi, vase d'argile, pour discuter avec Dieu ? Nous ne pouvons que dire ce que dit la Bible. Quant aux raisons de Dieu, nous avons l'occasion d'y revenir. Pour le moment, nous affirmons ce que la Bible affirme. Point. Troisième erreur par rapport à cette doctrine, c'est ce qu'on appelle l'universalisme. L'universalisme, c'est tout simplement la négation des châtiments éternels. Car finalement, c'est la même, si vous voulez, c'est les mêmes prémices que celles du rétablissement universel, savoir Dieu est trop bon, mais c'est encore un pas supplémentaire. La doctrine de l'universalisme consiste à dire « Christ est mort pour tous les hommes, et tous les hommes, par conséquent, sont sauvés. » Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, ils sont sauvés. Donc tous les hommes sont sauvés. Et alors l'enfer ? Eh bien, l'enfer... Les peines éternelles, la géhenne, tout ce que la Bible affirme à ce sujet-là, c'est des images. C'est des images pour montrer à l'homme ce qu'il aurait pu être. En fait, les partisans de l'universalisme ont d'énormes difficultés avec les textes qui nous parlent des perditions éternelles, la perdition éternelle, parce qu'ils sont tellement clairs, justement, et qu'ils contredisent à fond leur système, leur doctrine. Et quand on pousse dans le retranchement les partisans de l'universalisme, finalement, ils reconnaissent que
Cette idée ne repose pas véritablement sur les textes bibliques, mais sur la conception qu'ils ont de Dieu, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui est uniquement amour, et par conséquent, auquel ils interdisent de condamner des hommes. Alors voyez-vous, cette doctrine de l'universalisme a des conséquences graves. Car si Jésus est mort pour tous les hommes, pour qu'ils soient sauvés sans qu'ils le sachent, à quoi bon évangéliser ? Ah, diront ces gens, ah mais si, il faut évangéliser. Car il faut dire à cette bonne nouvelle aux hommes qu'ils sont sauvés, pour qu'ils puissent s'en réjouir. Voilà, c'est ça l'évangélisation. Bon. Or, cette doctrine de l'universalisme qui, bibliquement, est intenable, vous vous rendez bien compte de ça tout de suite, n'est-ce pas ? C'est une doctrine qui a été professée par un théologien réformé très connu, très important, Karl Barth, théologien suisse, et de ce fait, c'est maintenant, pratiquement, la doctrine de la majorité des pasteurs réformés et luthériens. La majorité des pasteurs réformés et luthériens professent l'universalisme. Un homme comme Jacques Ellul, par exemple, que j'aime bien, qui a beaucoup de bons, est sur ce point Barthien. Et on sourit quand on le voit essayer de défendre bec et ongles la doctrine de l'universalisme, essayant de tordre les textes. N'est-ce pas ? Seulement, ça a des conséquences très graves aussi. Ça explique pourquoi, entre évangéliques et réformés, il n'y a pas d'accord possible. Car les réformés nous disent, nous pouvons évangéliser, nous n'avons pas à évangéliser les catholiques, par exemple, puisqu'ils connaissent l'Évangile. Et comme, de toute façon, tous les hommes sont sauvés, s'ils ne savent pas que le salut, c'est par grâce, peu importe, comme la grâce leur est quand même donnée. Donc, nous pouvons passer des accords avec les catholiques, comme quoi nous nous interdisons tout prosélytisme. Et nous nous disons, si un homme n'a pas fait une rencontre avec Jésus-Christ, catholique ou pas, réformé, évangélique, pentecôtiste, il n'est pas sauvé. Par conséquent, il faut lui annoncer le salut. Et ce que nous appelons, nous, évangélisation, devient pour eux du prosélytisme de mauvais aloi. Et qui plus est, prêcher la perdition éternelle, c'est un crime abominable. Parce que c'est faire peur aux gens. C'est employer les motifs de la peur pour les amener à se tourner vers Jésus. Alors qu'on devrait au contraire parler d'amour. Vous voyez ici, un des débats actuels dans la Fédération protestante tourne autour de cette question de l'universalisme. Or, ça va très loin. Je me souviens d'un débat, quand j'étais jeune converti, j'avais 19 ans, ayant eu l'occasion de rendre témoignage à quelques-uns de mes camarades dans le groupe de jeunes de l'Église réformée, l'Église de Poitiers, dont Jacques Maury était à l'époque le pasteur. Ce dernier, un jour, m'avait convoqué dans son bureau pour le reprendre, pour avoir osé ainsi troubler ces jeunes. Et alors, je lui avais dit, mais alors, enfin, je ne comprends pas. Donc, pour vous, Hitler est sauvé aussi. Ah, il m'a dit oui. Bon. C'est tout. N'insistons pas. Hein. Bon, alors voilà, il n'y a pas d'accord possible sur ce plan-là. Maintenant, à partir du moment où l'homme est perdu, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut le sauver. C'est parce que Dieu connaît cette situation terrible de l'homme perdu qu'il envoie Jésus. C'est pourquoi il consent un aussi grand sacrifice afin que l'homme pécheur puisse être justifié. Non pas rendu juste, comme l'avait bien vu Luther,
mais pour que Dieu puisse le considérer comme juste alors qu'il n'est pas juste. En effet, nous dit l'apôtre Paul, si un seul point de la Torah est violé par l'homme, c'est toute la Torah qu'il est. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait l'expiation, comme nous l'avons vu dans nos études dernières, qui est sanctionnée par la résurrection, laquelle résurrection est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus pour le pécheur. En conséquence, nous dit l'apôtre Paul, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes sauvés de la colère à venir, et le seul jugement qui attend l'homme régénéré sera pour savoir de quelle récompense il sera jugé digne. Maintenant, à partir du moment où nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes, nous avons vu la justification. C'est de déclarer l'homme juste alors qu'il ne l'est pas. Mais la volonté de Dieu n'est pas qu'il reste dans cet état. Il est déclaré juste. Ça veut dire la justification, c'est un acte juridique, comme dans un procès, dans un tribunal. Un prévenu, déclaré innocent. C'est tout. Mais Dieu le déclare innocent, Dieu le déclare juste pour qu'il le devienne vraiment. Étant justifiés par la foi, nous sommes appelés à devenir les justes que nous ne sommes pas, mais que Dieu nous considère déjà comme tels. Or, ça, c'est une autre œuvre de grâce qui fait partie aussi de l'œuvre du salut et que la Bible appelle la sanctification. La sanctification, littéralement en hébreu, signifie la mise à part, la séparation et la consécration à Dieu. Ceux qui étaient sanctifiés, par exemple Samuel, avait été sanctifié par sa mère. Ça veut dire qu'il était toujours dans le temple. Celui qui est sanctifié ne s'éloigne pas du temple spirituel. Et si être sauvé, c'est être en règle avec Dieu, adopté dans la famille de Dieu, sanctifié, c'est d'abord être consacré à Dieu. Remarquez que bien souvent, justification et sanctification sont deux expériences simultanées. Mais évidemment, quand on fait de la théologie systématique, on est obligé de découper des choses qui sont souvent... Évidemment, un jeune converti, il ne va pas faire toute cette analyse de son expérience. Il fait une expérience, il sait qu'il est justifié devant Dieu, il se consacre au Seigneur, tout ça c'est un tout pour lui. Mais le systématicien est obligé de découper, n'est-ce pas ? Pour la commodité de l'étude, c'est tout. Donc, si vous voulez, le salut, il est à la fois intérieur et extérieur. Il est à la fois objectif et subjectif. Maintenant, justement, contrairement aux universalistes, comme nous l'avons vu il y a un instant, s'il est vrai que le salut est essentiellement l'œuvre de Dieu, l'homme a une part, si petite soit-elle. Cette part, c'est deux choses. La repentance et la foi. Salut vient d'un mot hébreu que nous connaissons bien, n'est-ce pas ? Le mot shalom, la paix. C'est beaucoup plus que la paix. C'est la perfection, la plénitude. Les Grecs ont traduit cette expression par le mot soteria, salut. Ça veut dire la plénitude de l'homme, l'achèvement de l'homme. Ça veut dire que tout ce qui menace l'intégrité de l'homme est brisé.
Alors bien sûr, ceux qui regardent un homme sauvé de l'extérieur n'ont pas toujours l'impression qu'il y a grand-chose de changé. Parfois même, celui qui a été sauvé se demande ce qui est véritablement changé. Et souvent, un des grands problèmes des jeunes convertis, c'est qu'ils ne se sentent pas assez sauvés. Et vous savez, c'est la grande objection des Juifs sur la messianité de Jésus. Si Jésus était le Messie, alors il aurait transformé le monde. Alors il aurait établi la paix universelle, il aurait établi le shalom. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? La guerre, la souffrance, la mort qui continue. Tout continue comme avant. Comment Jésus peut-il être le Messie ? Or, il y a une nuance que nous avons faite, si ma mémoire est bonne la dernière fois, mais que j'ai rarement vue faite par les théologiens chrétiens, mais que les Hébreux font. La nuance entre Yeshua et Geoula. Yeshua, c'est justement le salut, ce que nous appelons le salut. Ça veut dire la justification. Ça veut dire quelque chose qui est déjà de juré, comme on dit. Ça veut dire de droit, mais pas de facto, c'est-à-dire de fait, dans les faits. C'est la tension qui existe toujours dans le Nouveau Testament entre le déjà et pas encore. Nous avons déjà reçu le salut et en même temps nous l'attendons encore. Nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Ça veut dire que nous attendons quelque chose. Oui, nous attendons. La même chose que les Juifs. Nous attendons quoi ? Le salut, non. Il est venu. Nous attendons la Géoula, la rédemption. L'avènement du shalom. Et comme disait, je ne me souviens plus qui, ça, nous pouvons au moins l'attendre ensemble. Juifs et chrétiens, nous pouvons l'attendre ensemble. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi il faut replacer le salut, toujours, dans cette tension, dans cette perspective eschatologique. Très souvent, les prédicateurs se comportent comme si on était déjà arrivé, tout était déjà là. Non. C'est comme si vous voulez un acte juridique. Voilà. Monsieur Untel a acheté telle maison. Elle lui appartient. Mais il n'en jouira que lorsque les occupants actuels auront déménagé. Ça peut durer un certain temps. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Jusqu'à ce que les occupants actuels aient trouvé un autre logement. Et voilà, vous avez acheté cette maison. Vous avez l'acte notarié, comme quoi elle vous appartient. Et pourtant, c'est comme si vous ne l'aviez pas, si j'ose dire. Parce qu'il y a toujours des occupants dedans. Et vous devez attendre, au terme du contrat, que les occupants s'en aillent, trouvent un autre logement. Bon. C'est exactement ce qui s'est passé. Juridiquement, nous sommes sauvés. Juridiquement, nous avons la vie éternelle. Juridiquement, nous ne sommes plus sous la domination du prince de ce monde. Seulement, pour encore un peu de temps, le prince de ce monde, il continue à être le prince de ce monde. Et nous sommes obligés d'en tenir compte. N'est-ce pas ? Mais un jour viendra où le prince de ce monde sera définitivement détrôné de ses pouvoirs et où Jésus régnera. Ce sera la Géoula. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier quand nous parlons du salut. Paul dit, nous avons reçu les arts de l'esprit. Eh oui, on vous paye des arts, quelquefois. Vous avez acheté quelque chose,
Bon, vous ne l'avez pas encore, vous achetez une voiture. Hein. Bon. On dit que vous serez livré dans 3 mois. Parce que le modèle n'est pas disponible pour le moment. Bon, vous payez des arts. La voiture, elle vous appartient déjà. Mais vous avez payé simplement une partie. Bon. Le salut nous appartient déjà. Nous avons reçu des arts. Nous avons la présence du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, qui nous prouve que c'est ainsi. Nous n'avons pas encore la totalité du salut. Et c'est pourquoi nous sommes invités à nous détourner du péché et vivre déjà justement comme de ceux qui ont reçu ce salut-là. Et pour entrer en possession de ce salut, de ce César de l'Esprit, il faut 2 choses. Premièrement, la repentance. La repentance, la tshuva, le retour à Dieu, littéralement. On traduit ça aussi par la conversion, ça veut dire la même chose, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le fait de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Plusieurs textes nous montrent que la repentance est un don de Dieu. Acte 11, verset 18. Les apôtres, voyant le Saint-Esprit descendre sur Corneille et ceux qui sont dans sa maison, constatent que Dieu a aussi donné la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. L'homme par lui-même ne peut pas se repentir. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu l'attire. Le livre des Actes, chapitre 5, nous dit aussi, verset 30, verset 31, que Dieu donnera en son temps à Israël la repentance pour qu'il se tourne vers lui. La repentance est liée en même temps à la venue du royaume. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais la repentance, c'est aussi l'œuvre de l'homme. L'homme a la liberté de se repentir ou de ne pas se repentir. Le Saint-Esprit l'attire à la repentance et l'homme répond positivement ou il répond négativement. Et c'est pourquoi la repentance n'est pas une œuvre méritoire. C'est souvent là que justement les théologiens réformés nous attaquent. Et c'est souvent là justement qu'il y a aussi l'argument massu pour l'universalisme. Si vous dites, vous évangéliques, que le salut dépend de la foi de l'homme et de la repentance de l'homme, vous faites de la foi et de la repentance une œuvre méritoire. Et on revient au salut par les œuvres. Seulement, si nous posons le fait biblique que la repentance est un don de Dieu et que l'homme reçoit ou ne reçoit pas ce don, il n'y a plus d'œuvre méritoire. L'homme par lui-même ne peut pas se repentir. Finet a très bien vu ça dans ses discours sur divers religieux, quand il montre ce qu'il appelle la différence entre le pécheur endurci et le pécheur éveillé. Le pécheur éveillé, c'est celui qui a été convaincu de péché. C'est celui qui est attiré, dans lequel l'Esprit du Seigneur travaille pour l'attirer à la repentance. Alors, le troisième stade, c'est le pécheur pardonné, le pécheur qui s'ouvre à la grâce de Dieu. Ça, c'est autre chose. Là, sa liberté est totale. Et là, nous pouvons justement, nous plaçons les Barthiens en contradiction avec eux-mêmes. C'est tout le problème d'ailleurs de Calvin aussi. Si la grâce est irrésistible, où est la liberté de l'homme? Dieu sauverait-il un homme malgré lui? Non. L'homme est un être libre, sinon il n'est pas l'image de Dieu. Même si sa liberté est relative, même si elle est limitée. Par conséquent, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, sa liberté de choix intervienne. Jésus ordonne à ses disciples, après sa résurrection, de prêcher, il dit, et que ça, la repentance et le pardon des péchés, en Luc, n'est-ce pas, 24, seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
repentance et pardon des péchés. Et la Bible nous dit ailleurs que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance et soient sauvés. Comment Dieu donne-t-il à l'homme ce don ? Bien, en provoquant par son esprit une tristesse à cause de son péché. La tristesse, selon Dieu, produit la repentance, nous est-il dit. La conviction de péché, c'est donc cette tristesse, cette humiliation, ce dégoût de soi-même qui nous saisit quand l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur de l'homme pécheur. Or, l'Esprit de Dieu pousse l'homme à confesser ses péchés et à les abandonner. Il le pousse à se détourner de ses idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Et la concrétisation de cet acte de repentance, eh bien, c'est le baptême. Le baptême est l'image que l'on s'est repenti de ses péchés, que l'on a confessé ses péchés et qu'on s'est détourné de ses péchés. Or, la réponse de l'homme à la conviction de péché, la repentance, est la condition pour que l'homme reçoive la grâce de Dieu. Nous lisons en Actes 5, versets 30 et 31, que la repentance d'Israël aura comme conséquence la venue des tendres rafraîchissements, c'est-à-dire l'envoi du Messie, de la Géoula Shléma, de la rédemption parfaite. Deuxièmement, la repentance est le résultat de la prédication de la parole de Dieu. C'est à lui la prédication de la parole de Dieu, la prédication de la croix, que l'Esprit de Dieu convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Troisièmement, c'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance. C'est par pure bonté que Dieu agit ainsi. Dans l'acte de la repentance, il y a trois aspects. Un aspect intellectuel, un aspect émotionnel et un aspect pratique. L'aspect intellectuel, c'est la perception par le Saint-Esprit de la situation de l'homme pécheur. J'ai péché, comme dit David dans le psaume 51, j'ai péché contre toi et contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Soudain, intellectuellement, l'homme comprend cela. C'est d'abord là. Et deuxièmement, il y a un aspect émotionnel. Celui qui prend conscience de cette situation-là est profondément bouleversé dans son psychisme. Et c'est tout ce que décrit Finet dans ses discours sur les réveils, ceux qui pleurent sur leurs péchés, ceux qui connaissent des angoisses à cause de leurs péchés, etc. Soudain, cette réalisation intellectuelle qu'ils sont là devant la perdition éternelle, en même temps que le Seigneur est mort pour leurs péchés, c'est quelque chose qui bouleverse l'être tout entier. Ça n'est pas seulement intellectuel. Si ça reste au niveau de l'intellect, il n'y a pas de véritable repentance. On peut avoir une théorie, disons, oui, tous les hommes sont pécheurs, je suis pécheur, Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, donc Jésus-Christ est mort pour moi, celui qui croit sera sauvé, je crois donc je suis sauvé. On peut écrire ça comme une équation, on n'est pas sauvé. Il faut l'avoir réalisé également, je dirais, émotionnellement. Et c'est la raison pour laquelle de très souvent les jeunes enfants de chrétiens qui ont entendu ce message depuis toujours le connaissent intellectuellement. Mais la conversion des jeunes chrétiens, des jeunes enfants de chrétiens, pardon, n'intervient qu'à partir du moment où intellectuellement ils le comprennent émotionnellement. Et ils en sont profondément bouleversés. Et troisièmement, cela conduit à un troisième aspect, un aspect pratique, eh bien, c'est celui de la mise en règle de la vie.
la confession des péchés, l'abandon des péchés et la consécration à Dieu. N'est-ce pas ? Or, la repentance honore Dieu. Paul nous dit qu'elle est conforme à l'enseignement de la Torah. Et cela, c'est l'action du Saint-Esprit qui applique au cœur de l'homme la parole, qui touche sa conscience, qui touche son cœur et qui fortifie sa volonté pour qu'il se détourne du péché. Car la volonté de l'homme, c'est vrai, Calvin a raison, la volonté de l'homme aussi est touchée par le péché. L'homme ne peut pas vouloir se détourner du péché. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Seulement dans la pratique, comme l'a fort bien montré Finet dans le discours sur les réveils religieux, il est extrêmement dangereux de dire à l'homme « Attends que le Saint-Esprit vienne t'aider à te repentir. » Car le pécheur est formidable. Comme le Saint-Esprit n'est pas prêt de m'aider à me repentir, j'ai le temps devant moi. Non. Le prédicateur, l'évangéliste véritable, pas l'évangéliste à la Hollywood, n'est-ce pas ? Le prédicateur véritable va dire, alors aujourd'hui, voilà, tu es là, tu as la possibilité. Ça, il le sait, le prédicateur, lui, que c'est le Saint-Esprit. Il sait bien que ce n'est pas sa parole. Il sait bien que ce n'est pas son talent dialectique ou oratoire qui va conduire l'homme, le pécheur qui est devant lui, à se tourner vers Jésus-Christ. Et il compte sur le Saint-Esprit. Mais il sait qu'il y a aussi la part de l'homme. Il insiste sur cette part de l'homme. Il dit, toi aujourd'hui, là, voilà, tu es là. Aujourd'hui, tu te tournes vers le Seigneur. Et il insiste. Il prend le parti de Dieu contre le pécheur. Jusqu'à ce que le pécheur se convertisse et se tourne vers le Seigneur. Deuxième point. Après la repentance, il faut la foi. Qu'est-ce que la foi ? Oh là là ! Que d'erreurs sur ce qu'est la foi. N'est-ce pas ? C'est un mot tellement dévalué qu'on aura presque envie parfois de l'abandonner, ce mot, et de lui substituer un autre mot, la confiance. La foi, c'est la confiance, la certitude, le sentiment de l'esprit et le consentement de la volonté. Voilà ce que c'est que la foi. C'est l'acceptation des vérités qui viennent d'être révélées comme principe directeur de la vie. Et là, nous voyons combien ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire, comment dirais-je, une croyance intellectuelle, est insuffisante pour la foi, pour le salut. Jacques 2, verset 19. Tu crois que Dieu existe ? Tu fais bien. Les démons aussi, et ils tremblent. Ils ne sont pas sauvés pour autant parce qu'ils croient que Dieu existe. Or, quand vous dites aujourd'hui à quelqu'un, j'ai la foi, il comprend, je crois que Dieu existe. C'est pas ça. Bon, c'est ça aussi. C'est un tout petit aspect du problème. J'ai la foi, quand les gens disent aujourd'hui j'ai la foi, ou un tel a la foi, ça veut dire, je crois que Dieu existe. Ça n'a rien à voir. La foi, c'est un engagement de toute la vie. C'est un bouleversement de toute la vie. Quand nous avons reconnu comme vraies les vérités qui nous ont été révélées par la parole de Dieu, il y a une renonciation volontaire, une obligation volontaire, une soumission volontaire aux conséquences de ces vérités. C'est pourquoi la foi touche notre personnalité, notre intelligence, nos émotions, notre volonté, notre être tout entier. La définition de la foi nous est donnée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er. La foi, c'est une certitude des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une certitude. Ce n'est pas une supposition. Vous savez, il y a des philosophes et des théologiens qui ont joué des tours pendables à ce niveau-là. Un de ceux-là, c'est Pascal.
malgré tout ce que Pascal pouvait avoir de bon par d'autres aspects, sur le plan de la foi, il est à côté. Pour Pascal, la foi, c'était un pari. Et reprenant les mots des pères de l'Église, qui n'étaient vraiment pas très malins, je crois parce que c'est absurde. Mais non, excusez-moi. Complètement. C'est ça, c'est absurde de dire ça. Pascal dit, il n'y a aucune preuve, aucune certitude. Mais je parie. Et il montre tous les avantages qu'on a à parier. Parce que, dit-il, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je perds? Ma vie. Un certain nombre d'intérêts ici-bas. Bon. Maintenant, quand j'arrive dans l'au-delà, ou bien j'ai perdu, ou bien j'ai gagné. Si j'ai gagné et qu'effectivement il y a un salut dans l'au-delà, j'ai tout gagné. Et finalement, si j'arrive dans l'au-delà et que je me suis trompé, qu'il n'y a rien, ben, je n'ai pas perdu grand-chose. Je n'ai pas perdu grand-chose, j'ai perdu quelques vagues satisfactions dans ma vie terrestre. Donc ça vaut le coup de parier. Absurde. Absurde comme raisonnement. Anti-biblique. N'est-ce pas ? Autre idée que les gens ont de la foi, qui découle de cette idée du pari de Pascal, il y a des présomptions. Plus ou moins fortes. Qui font pencher la balance en faveur d'eux. Oui. Difficile de concevoir qu'il n'y ait pas quelque chose. Mais on ne peut pas être sûr. On ne peut pas être sûr à 100%. Alors on fait un acte de foi, ça veut dire, je crois d'une manière tout à fait irrationnelle. La foi, c'est quelque chose de totalement irrationnel pour les gens. Ce n'est pas biblique. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire justement des choses pour lesquelles il n'y a pas de raison humaine. Eh bien, la foi nous donne une raison. Et fait précisément de notre démarche, c'est une certitude. Nous avons soudain reçu une conviction, non pas par des moyens humains, mais justement par une vision surnaturelle. Et celui qui croit, il sait. D'ailleurs, le mot foi en hébreu signifie ça. La foi, c'est l'amen. Ce qui est solide, ce qui est ferme, ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui est la vérité. J'ai reconnu la vérité. Bon, vous savez, les philosophes discutent, vous connaissez Descartes, discours de la méthode, le doute systématique. Descartes doute tellement qu'il arrive à un moment à douter de sa propre existence. Est-ce que j'existe ou est-ce que c'est une illusion ? Bon. Finalement, il arrive à une certitude quand il a cette fameuse formule que vous connaissez tous, cogito ergo sum, je pense donc je suis. À partir de là, il reconstruit tout. Seulement, on se rend bien compte dans la pratique que chez Descartes, ça n'a pas trop à ce niveau-là. Quoi. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui mettraient en doute notre existence, qui mettraient en doute le fait que nous existons, que le monde qui est autour de nous existe. Maintenant, c'est vrai, si on veut essayer d'expliquer philosophiquement et rationnellement, on va se heurter à toutes les objections que Pascal évoque dans le discours sur la que Descartes expose dans le discours sur la méthode. Pourtant, on sent bien que c'est un décalage. Il y a des choses qui nous sont données intuitivement et non pas rationnellement. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. On ne va peut-être pas pouvoir expliquer scientifiquement, rationnellement, philosophiquement, les réalités célestes. Mais comme Jésus dit à Nicodème, tu ne doutes pas de l'existence du vent.
Pareil qu'au siècle dernier, vous savez, il y avait des grosses discussions au niveau scientifique. Il y a des gens qui disaient que l'air n'existait pas. Tenez-vous bien le bel argument pour dire que l'air n'existait pas. Si l'air existe, pourquoi il ne m'arrête pas ? Oui, il y a des gens qui disaient ça. Bon, ça paraît grotesque, bien sûr. Nous avons des gens qui étaient très sérieux, qui disaient ça. On discutait, est-ce que l'air existe ou pas ? Or, ces mêmes personnes croyaient à l'existence des courants d'air. Jésus dit, le vent souffle où il veut, tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Non, tu n'as jamais vu le vent, c'est vrai. Mais tu en entends le bruit. Tu en vois les effets. Tu ne peux pas expliquer le vent. Bon, à cette époque-là, on ne pouvait pas. Hein. Aujourd'hui, un petit peu plus. Mais tu ne peux pas expliquer le vent. Pourtant, tu crois à l'existence du vent. C'est un donné. C'est un donné immédiat. De la même manière, la nouvelle naissance nous permet de voir le royaume de Dieu. C'est un donné. On ne peut pas l'expliquer. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas ce privilège de voir le royaume de Dieu disent qu'ils sont fous. C'est un pari, c'est l'irrationnel. Non. Il n'y a rien de plus rationnel. Il n'y a rien de plus évident que ça. Pour celui qui est véritablement né d'en haut, comme dit Jésus. Or, la foi qui sauve, c'est celle du cœur. Celle qui touche notre pensée, nos sentiments, notre volonté. C'est celle qui se confie en Jésus et qui invoque son nom. C'est celle qui le confesse dans toutes les circonstances. C'est celle qui le conduit dans l'immédiate obéissance quand Dieu parle, sans tout comprendre. C'est vrai, les choses que nous ne comprenons pas. Vous comprenez, vous, comment marche un poste de télévision ? Pas moi, hein. J'ai jamais compris ça. L'histoire du tube cathodique, j'ai des vagues réminiscences, ça. J'ai eu ça au bac, je me souviens. J'avais eu 5. Les rayons cathodiques. Pourtant, bah oui, il y a une image là qui a été émise en Australie, qui a été retransmise par satellite artificiel, puis qui arrive là. On ne peut pas expliquer. Mais c'est un fait. Et je sais très bien que j'avais une télévision, je sais tourner le bouton. Par contre, expliquer comment ça marche, c'est autre chose. Ton domaine de la foi, c'est la même chose. Je ne vais peut-être pas être capable d'expliquer une foule de choses. Comme Diane dit des très beaux cantiques, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, dans sa grâce, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi Jésus m'a tant aimé, pourquoi... Son sang efface mes péchés, mais je sais qu'on sait qu'en lui j'ai la vie. Comme l'aveugle né. Comment il a fait pour te guérir, ça je sais pas. Mais c'est une chose, j'étais aveugle, j'étais maintenant je vois, c'est tout. La foi, c'est ça. N'est-ce pas ? La foi, c'est cette réalité qui persévère malgré les obstacles. Et parce que nous avons une telle certitude, nous sommes prêts à sacrifier les avantages présents. Pour ce que la foi promet pour l'avenir. Maintenant, la foi nous procure des avantages immédiats. Transformation du cœur, délivrance, guérison, etc. Qui sont autant de signes, comme disons, les arts, des choses que nous ne voyons pas encore, mais qui sont promises. Nous avons déjà l'accomplissement des promesses divines. Et nous savons cette règle de la foi fondamentale, si tu crois, tu verras. Or, l'homme charnel dit, si tu vois, tu crois. Et comme nous sommes au siècle de la vision, on l'a montré Jacques Ellul, n'est-ce pas ? On ne croit plus en Dieu parce qu'on ne voit pas. Ce qui est tout à fait stupide. Mais pour beaucoup de gens, ça ne va pas plus loin que ça. Or, pourtant... Bien des gens n'ont jamais vu New York. New York, pour eux, c'est une évidence, ça existe. Pourquoi ? Parce que d'autres l'ont vu. Et bien aussi, il y a des nuées de témoins. Il y a des choses que nous n'avons jamais expérimentées ou vues nous-mêmes. Mais des témoins dignes de foi nous en ont rendu témoignage. Alors je sais que
si je veux. J'ai jamais vu New York de ma vie, mais je sais que je peux aller à New York. Je serai pas du tout comme Christophe Colomb la première fois. J'aurais pas peur de tomber dans l'autre côté de la Terre, ou bien me retrouver en Inde plutôt qu'aux États-Unis, non. Parce qu'il y a des témoins dignes de foi qui m'ont dit que New York existait. Alors moi, je peux aussi marcher sur la trace de ces témoins-là. L'Épître aux Hébreux nous dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous donc aussi, ben oui, nous aussi, ayons le regard fixé sur Jésus. Possible. Il suffit d'avoir l'attitude juste. La foi, c'est une attitude. Quand quelqu'un digne de foi, un témoin digne de foi, vient nous dire, mais il y a ça. C'est peut-être une chose qui, pour moi, est inconnue. Je vais la découvrir. Or, il nous est dit aussi, dans l'Épître aux Hébreux, que Jésus crée la foi et qu'il a conduit à la perfection. Et c'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu fasse grandir notre foi, qu'il l'amène à la perfection. Maintenant, quel est le grand obstacle à la foi? Jésus le dit. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne l'attendez pas de Dieu seul? L'orgueil de l'homme est le grand obstacle à la foi. Car la foi le conduit dans le brisement. La foi le conduit dans l'humilité. La foi le conduit dans la repentance. Et l'homme ne veut pas ces choses. Alors il nie l'évidence. C'est le propre de l'homme que de nier une évidence qu'il ne veut pas voir. Ça, dans l'histoire, il y a de multiples exemples. Avant la guerre, on ne voulait pas croire qu'Hitler allait mener le monde à l'abîme. Personne ne voulait croire. C'était désagréable. Chamberlain disait, c'est la paix pour 1000 ans, on a vu. Un an après, c'était la guerre. Bon. Il n'y a pas de plus grand aveugle que celui qui ne veut pas voir, dit-on. C'est vrai. Sur le plan des choses de Dieu, c'est exactement la même chose. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Dieu met comme préalable absolu la foi de l'homme. Si tu crois, tu verras. Pas l'inverse. Dieu ne se révèle pas à ceux qui ne veulent pas croire. C'est la liberté de l'homme de croire. Comme dit aussi un cantique, je puis croire, je veux croire. Je peux, donc je veux. Croire dépend de toi. Croire, c'est voir les choses, comme dit Jésus, de même que quand Moïse avait élevé le serpent dans le désert, ceux qui regardaient étaient sauvés. Il suffisait de vouloir lever les yeux, de vouloir regarder. Mais toi aussi, regarde. Regarde et crois. Écoute les paroles des témoins. Et puis, vas-y, toi aussi, comme dit l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Donc, il y a une culpabilité de l'homme de ne pas croire. Et ça, c'est contraire aussi à la pensée de l'homme. Très souvent, les gens nous disent « Ah, comme je vous envie de croire, mais moi, je n'ai pas la foi. » C'est-à-dire, ça vous tombe dessus comme ça, vous savez, comme la foudre. Mais non, tu peux croire. Ça dépend de toi. C'est ta liberté. Et c'est pourquoi un des plus grands péchés aux yeux de Dieu, c'est l'incrédulité. En fait, c'est le seul péché qui condamne l'homme définitivement à l'enfer. Celui qui ne veut pas croire. Tous les autres péchés peuvent être pardonnés. L'incrédulité de l'homme qui s'obstine dans son incrédulité ne sera jamais pardonnée. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire ce soir sur ces conditions du salut. Et nous verrons la prochaine fois ce qui concerne la foi et les œuvres. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Sur le texte, oui, c'est un texte difficile, celui-là. Je pense que c'est en relation personnellement avec
le fait que ceux qui étaient morts avant la venue de Jésus, donc, et qui avaient en quelque sorte cru en espérance, comme on l'a dit, ont reçu la bonne nouvelle que, que leur espérance était accomplie. Et il s'est passé quelque chose dans le monde des morts, nous verrons ça quand nous ferons de l'eschatologie. Nous voyons que quand Jésus est mort, quelques-uns sont ressuscités, des morts sont ressuscités, ils sont apparus dans les rues de Jérusalem. Hein. Et donc, dans Éphésiens, nous voyons que quand Jésus est ressuscité, il a emmené avec lui des captifs hein, dans les lieux célestes. Des gens qui étaient dans le Sheol, séjour des morts, et qui ont été en quelque sorte emmenés dans les lieux célestes, de sorte que maintenant, le chrétien qui a cru en Jésus, qui meurt, ne descend plus dans le Sheol, il va directement dans les lieux célestes avec le Seigneur. C'est cette bonne nouvelle, sortir du Sheol, il a emmené les captifs avec lui dans la gloire.